Voici maintenant, pour terminer, la dernière collection de chez Minté, donc qui s'appelle Nightfall. Alors, elle est dans les tons prune, violine et vert. Ouh là là! Donc, on va découvrir ça ensemble. Sur cette page de couverture, on a tous les embellissements à découper, comme d'habitude. Donc, on a quand même le thème, quand même, c'est le vin. Le vin, la vigne. Donc les fleurs, il y a quand même de la musique, des lanternes, une lune. Donc découvrons ce thème ensemble. Donc ça c'est les soirées. Les soirées, les soirées, la nuit. Il y a une belle lumière ici, une balançoire. C'est très fleuri. Un canapé, de la musique et un petit verre de vin rouge avec modération. On a ensuite, oh, c'est très joli ces nuages. Donc, ensuite, il y a cette page-ci avec des lanternes, des lunes et des fleurs, bien sûr. Et à l'arrière, des écorces de bois. Sur celle-ci, on a encore des lanternes avec des fleurs. Je vous montre en détail sur le bas, toujours le petit coin sur la terrasse et à l'arrière. Oh là là, c'est très joli, très très joli. Ensuite, nous avons des fleurs, donc toujours la page avec les fleurs, un arrière très très beau. Oh, c'est très très joli la nuit étoilée là. Ensuite, ici, il y a des roses avec des petites taches, toujours pareil, des petites taches d'étoiles. Je ne sais pas comment on peut dire ça. Waouh! Wow. Ah, c'est joli, hein. L'ensemble, là, les tons, c'est vraiment très joli. Regardez ça. Et là, on a les 12 étiquettes, pareil, avec des petits cadres baroques, très jolis, des fleurs, des grappes de raisin. Très joli thème de la vigne. Donc on a deux fois les mêmes papiers. Avec moi, je vous ai sélectionné ces petits cadres en métal de chez Tim Holtz qui sont vendus par deux et qui sont de la même taille d'ailleurs. C'est vraiment amusant. Donc il y a de quoi faire quelque chose de sympa avec. Donc ça, c'est dans le rayon des ferrailles. Au niveau des fleurs, je ne vous ai pas proposé de fleurs d'ailleurs. Au niveau des encres, on a ces deux teintes qui vont très bien avec. Donc c'est l'Hydrangea pourpre et le Plumeria parfait. Perfect Plumeria. Donc ces deux teintes vont très bien avec. Vous avez des nappes en dentelle. Vous avez des dots. Alors là, vous avez les plus sombres pailletés. Un peu grenat violine. Comme ça, exactement. Et ensuite, sur celle-ci, vous avez. Alors c'est intéressant parce que vous avez des violettes aussi. Et vous avez des turquoises qui rappellent ces teintes-là. Donc là, les deux vont très bien avec. Et vous pouvez utiliser cette couverture de chez Craft O'Clock. Voilà, qui est dans la collection Plume and Chocolate. Ça, vous le trouvez dans la collection Craft O'Clock, des papiers Craft O'Clock. Alors, pour aller avec ça, il y a des die-cuts, bien sûr. Alors, j'ai sorti un petit fond blanc. Et donc là, on va regarder. Il y en a 60 dans ce paquet-ci. Alors, suivant les paquets, il n'y a pas exactement le même nombre, apparemment. Donc on a des cœurs dans les verts émeraude, des étoiles, des mots. On a un miroir en papier avec des fougères à l'intérieur. On a des grappes de raisin. Alors elles sont très bien faites, hein, je vous montre de près. Donc les grappes de raisin, oups, les fleurs. Donc dans différentes tailles, on a ces fleurs-là avec des feuillages. On a des planètes, lune, je ne sais pas. Ensuite, les lanternes. Les lanternes. On a des fleurs, un chandelier, enfin un bougeoir. Un bougeoir, un grand bougeoir. Des bouquets de fleurs, des étoiles, une lune. Un verre de vin à partager. Des fleurs, des roses. On a la caisse là avec le tourne-disque pour les nostalgiques, un autre cadre avec des fleurs,
Des étoiles, le mot night, on a le mot summer, c'est l'été aussi, la nuit, des cœurs, des roses, on a des bouteilles de vin. Elles sont vraiment très bien faites, hein, c'est très joli. Ensuite, on a encore une lanterne verte, des fleurs, alors les fleurs, je vous les passe, hein. Rose, rose ouverte, plus claire, bouquet de fleurs avec des roses. Encore des fleurs, une lanterne un petit peu plus grosse. On a votre histoire d'amour. On a encore des grappes de raisin, des feuilles, des étiquettes différentes et variées, des étoiles, des cœurs, des lunes. On a la caisse de raisin avec le vin et les deux verres de vin. Encore un verre à partager. Si on veut faire chin, il en faut deux. Encore des lunes, des voilà, blablabla. Des petites fleurs, des cœurs, du feuillage. Voilà, voilà pour cette jolie collection dans les pourpres, lits de vin, prunes. Voilà, voilà. Donc, écoutez, moi, je trouve ça très joli. Donc, voilà ce que je vous propose pour cette collection. Je vous retrouve un peu plus tard pour vous montrer d'autres choses de chez Minté.